Que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Ça faisait très très longtemps qu'on n'en avait pas fait un. Car malheureusement, enfin malheureusement, heureusement j'ai du travail. Et donc, en ce moment c'était un peu difficile de vous proposer des lives aujourd'hui. Donc, on va pouvoir en faire un. On se retrouve sur la map Le Grand Jura, la map qui était tant attendue by Bud Mooding, Nasco que j'ai rencontré la semaine dernière, le créateur de la map que je salue. Et donc très très jolie map, hein. Bien sûr, je vous demanderai d'utiliser les liens de téléchargement officiels, hein, car c'est quand même grâce à eux si on a d'aussi belles maps, hein. C'est grâce tout simplement à tous les mappeurs, qu'on a accès à des aussi belles maps. Voilà, salut Nasco, salut Bud Mooding. Donc aujourd'hui, oui, aujourd'hui on va aller se faire un peu de paille, hein. J'ai déjà commencé à faire un peu le tour de la map, à faire un peu de moisson, de semer. Donc on a de l'avoine, de l'épeautre, du pavot, du tournesol, on a les cultures de base. Et je crois que c'est déjà pas mal, du seigle aussi, voilà, du seigle, de l'avoine, ouais, voilà. Il y a un peu de tout, on peut faire du lait à UHT, il y a un ETA, un ETF pour la forêt. On fera le tour de la map tout en travaillant, hein, ça ira mieux. Et donc voilà, allez, on va pouvoir s'y mettre un petit peu. Je voulais vous présenter deux petits modes aujourd'hui, deux nouveaux modes. Hop, alors on va commencer par le Mercedes Sprinter. Très joli mode, hein. Il est vraiment très très bien fait. Question modélisme, il est bien fait, hein. On a Fendt, John, Class, JCB, le Zetor, il est vraiment très bien. Donc c'est un Mercedes, donc juste de service, hein. Hop, on va activer l'ATH, voilà. Et donc on peut ouvrir les portes de côté. Par exemple, si je fais le 7, on ouvre la porte arrière, je crois, s'il veut. Et oula. Voilà. Donc, on peut... le fuel, je crois même qu'il y a un karcher, si je me trompe pas. Non, le karcher ne marche pas apparemment. Non, c'est juste de la déco, ouais, voilà. C'est pas grave, mais au moins on peut remplir les semences, le fuel, etc. etc. La porte de côté. Voilà, je pense qu'on peut monter à deux, hein, aussi dedans, à plusieurs, pour ouvrir les portes voilà, tout simplement. Donc le Sprinter, le Mercedes Sprinter service, hein, de service. Hop, on ferme tout. Parce que là, on va pouvoir l'emmener à la ferme, comme ça, dès qu'on a un problème, hop, on fera appel à lui. Et après, deuxième mode que je voulais vous faire voir, le JCB. Donc celui-là, je crois que c'est le 536, voilà, 536, donc qui est vraiment très bien fait aussi. Et la particularité de celui-là, hop, c'est que derrière, on peut atteler un outil, juste derrière. Donc là, par exemple, ouais, là j'ai juste mis le, hop, là, j'ai juste pris la tonne Fairbelt pour le lait, car on n'en a pas encore, donc j'ai juste pris ça. On va se mettre, hop, un petit follow me juste derrière. La classe cargo, on viendra la chercher après quand on va aller faire un peu de paille. Hop, pour nos vaches. Allez. Bien sûr, avec le CZ mode, hein, les nouvelles fourches qui est la version 3. À chaque fois, vous me voyez, hein, avec ces fourches-là. Mais là, il y a la version 3 qui est sortie. Allez, hop, on va emmener ça à la ferme. Voilà, c'est rendu comme ça. Est-ce qu'il nous suit, Jackie nous suit? Oui, c'est bon. Allez. Donc bien sûr, hein, pas mal de nouveautés vont arriver sur notre chaîne YouTube, hein. Pas mal de nouveautés. Oui, c'est par là. Comme genre là actuellement le concours photo, dans la description il y a le nouveau forum, hein, notre nouveau forum a ouvert ses portes, donc accessible à tous, hein, le maximum de personnes.
Donc la présentation de chacun serait un plus, vous dire un peu ce que vous faites dans la vie, etc. Combien de temps vous jouez à farming, enfin plusieurs choses comme ça. Et l'actualité sur la team, l'actualité sur les mods, les nouveautés, etc. Sur le nouveau FS17 qui va sortir. Et après, vous pouvez aussi nous donner tous vos mods préférés. Hein, pour tout ça, on est à l'écoute, y a pas de problème. Allez, on va caler ça ici. Voilà, le JCB, on va le ranger aussi car voilà, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va aller se le mettre par là. Non, pas par là, on va se mettre plutôt par là. Voilà. Et hop, voilà. On va se caler ça là, tranquillement. On va regarder un peu la qualité sur YouTube, j'espère, car j'ai une nouvelle connexion. Enfin, je teste une nouvelle connexion, hein. Et donc, on va voir. Ça a l'air d'être pas trop mal, on va dire. Hop. On est toujours en 480, je pensais qu'on aurait été en 700, mais bon, apparemment, ma connexion ne suit toujours pas. Allez, on va continuer. On va pouvoir ranger le sprinter. Allez, Jackie, donne-moi le volant. Plusieurs modes, hein, plusieurs nouveaux modes qui sortent. Demain, il y a la map de chez Arsenic Modding qui va sortir. Donc c'est pareil, hein, impatient de tester tout ça et de vous le faire découvrir. Donc ça, c'est bon. Allez, on va se prendre le petit Fendt. Celui-là, c'est lequel? Celui-là, je sais même plus. Le 936. Voilà, on va aller chercher la cargo classe au magasin. On peut passer par là, de toute façon. Allez, hop. Je nous ai pris des animaux, hein, pour combler un peu le vide des champs. Donc c'est pour ça, on va aller s'en occuper. Donc là sur cette map on a les cochons, les veaux, les agneaux, les poulets engraissés. Donc c'est très très bien. Et ouf, là c'est pas par là, c'était celle-là. Enfin, je crois que je me trompe pas, ça doit être par là. Allez. On va ramasser un peu de paille. Donc pour nos animaux, on va les pailler, on va essayer de les nourrir parce que j'ai fait aussi de l'ensilage. Hein. J'ai fait de l'ensilage, j'ai mis tiens bah justement notre ami Michel qui est bloqué. Voilà, on doit faire le plein, bah justement. On va aller s'en occuper après. Lui c'est bloqué. Bon. Comme d'habitude, les aventures de Michel. Donc là, le magasin, il est juste là. De la classe cargo. Comme ça, hop. On va juste ramener ça à la ferme pour aller prendre le pick-up et aller remplir notre ami Michel. Ouais, on doit faire le plein. Allez, hop. Ça va, parce que le magasin est pas loin de la ferme, donc c'est pratique. Et en plus, on a un bel ETA où on peut stocker pas mal de matos, donc c'est très intéressant. Oula, hop, 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 hop. C'est vrai que j'avais oublié que la classe a glissé pas mal derrière. Allez, hop, on va rouler prudemment quand même. On va se mettre ça là, je ne sais plus c'est quel champ, je crois que c'est les champs autour de la ferme. Hein. On va aller ramasser la paille, on va aller par là, voilà. Et le coq qui se promène toujours partout. Voilà, on va pouvoir se caler ça là pour l'instant. Et on va aller se chercher hop, le pick-up qui est là. Et donc j'ai mis notre ami dans le 12 qui est par là.
tant que j'y suis, je fais un petite dédicace, un petit clin d'œil à nos amis de la GX14, que j'apprécie beaucoup, hein, une très très bonne team, hein, faut pas hésiter à les suivre. Et donc on aura quelques surprises avec eux dans les jours, semaines à venir. De belles surprises à vous proposer. Hop là, il y a un petit trou là. De belles surprises à vous proposer avec eux. Donc n'hésitez pas car je pense qu'on va se faire une saison avec eux sur le Grand Jura. Hein. Hop là, je récupère ça. On fait le plein en même temps de graines et refaire le plein aussi de fuel. Voilà, et le fuel. Et bien sûr aussi un grand bonjour à mon ami Farming Surveyor Juju. Donc qui s'est lancé dans la moto. Donc on va essayer aussi de se choper pour se faire des petites courses hein, entre lui et moi, et puis Fab aussi. Hein. Fab de la GX. Hop, allez, Michel est reparti. Il a fait le plein, nous aussi on peut repartir. On remet tout ça à la ferme. Allez. Donc la ferme est à gauche, si je me trompe pas. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Tout se passe bien en ce moment pour nous. On a atteint les 400 abonnés. Donc, mais merci à vous. Hein. C'est tout d'abord grâce à vous si, bah, si la chaîne prospère. Hein. Donc, un grand, grand merci à vous. On essaiera de se faire encore une vidéo des abonnés hein, avec les abonnés. Je sais pas. Je pense qu'on fera ça suite au concours que notre ami Arnaud a lancé. Hein. Le concours Carnot de screen de photos à lancer. Donc justement, le forum hein, dans la description, n'hésitez pas à y aller, à poster vos photos. Les plus beaux screens seront sélectionnés par la team, par nos soins, et les gagnants bah, ils viendront faire une vidéo des abonnés avec nous, tout simplement pour la plus belle photo. Enfin pour les plus belles photos, car on va en prendre peut-être prendre 4-5 abonnés hein, d'un coup. Pour un live et une vidéo. Voilà. Allez, nous on est parti. On va aller ramasser la paille. Je ne sais plus dans quel champ. Ça doit être par là. Je ne sais plus. C'est par là. Ouais. Avec le 936 Vario. Hop là, c'est par là. Donc là j'ai planté, j'ai semé un peu partout. Hein. Là je crois que c'est à droite. Hop. Des petits chemins, des petits chemins partout. C'est vraiment très bien fait, très jolie map. Apparemment Fab est pas content ou Vincent je ne sais plus car il y a trop de petits chemins. Mais bon je trouve ça très très sympa. C'était pas, non c'était pas là. Je ne sais plus où c'était. Ah, c'est là-bas. Le champ 63, exact. Allez, hop. On va pouvoir baisser. Donc là, c'est le course play, hein, notre ami Michel qui a fait les andins. Mauvais andins. C'est pas très bien fait, mais bon. On va quand même y arriver. Hop, c'est bon, tout est activé. Allez. Tranquillement. Ah bah là, en plus il en a oublié une belle partie ici là. Notre ami Jacques, notre ami Michel. Salut Braco, merci à toi. Merci à Arcy. Ah mais comme je disais, c'est grâce à vous hein, pour les 400 abonnés, grâce à tous les abonnés. Hein. Et salut Fac, comment vas-tu? Notre ami Fac. Ça va, il y a un petit peu de rendement, on va pouvoir s'occuper de nos amis les bestiaux. Hop. Donc là déjà on va pouvoir tout mettre hein, d'un coup aux vaches, car ça en demande pas mal. Hop, voilà, les andins ont été très mal faits mais bon. Hop.
Ça va, 25% à un tour, on va dire, c'est pas mal. Ah, c'est normal, Fax, c'est car, parce que moi je vois avant vous en fait, mais ça devrait s'actualiser dans la journée pour les abonnés. Pour vous, donc on est bien à 400, hein, on est bien à 400. Hop. Ah, la map est très très sympa, Brago, oui. Ouais, elle est vraiment très très sympa. Donc après, il y aura toujours des gens qui... Oula. Il y aura toujours des gens pour critiquer, hein, c'est normal, mais justement, c'est grâce aux critiques que l'on se forme et que l'on grandit. Vilain, c'est toi le vilain. Ah mais mince, je me trompe en plus à chaque fois. Hop là. Donc dites-moi la qualité sur le chat s'il vous plaît. Si elle est bonne, si vous, si on entend bien, si on entend bien le son du jeu, car j'ai essayé de faire des petits bidouillages hein, dans mes paramètres. Hop. Ça c'est pas mal. Ah, Braco le Jura est à côté de chez toi, d'accord, tu habites où? Et demain c'est ton anniv, fac. Ah, ben je vais pas te le souhaiter en avance car apparemment ça porte malheur. Donc je te le souhaiterai plutôt demain. Et hop, on récupère un peu les loupés là. Qualité parfaite, d'accord, merci Fac. Vous tournez à combien en résolution? Parce que moi tout à l'heure je voyais du 480, mais il me semblait que je pouvais monter plus. Ah, dans le double, d'accord. Et alors pour toi, Braco, est-ce que... enfin, je sais pas si on peut dire ça, est-ce que ça reflète bien le côté jurassien, on va dire? 480, pas plus, d'accord. Bah, il faudrait que j'essaye parce que apparemment j'ai une très bonne connexion là actuellement. Il faudrait que j'arrive à monter les bitrates. Bon, faudrait que je voie ça. Mais bon, si la qualité est si c'est regardable, donc ça va alors. Hein. Fac, bah désolé, pas en live. Enfin, pas pour l'instant, plutôt. Allez, hop. Pas beau tout ça, hop là. Michel a oublié quelques parties, mais bon. Et on va lever parce que bon, c'est un peu dur pour notre 936 ou 9 936. Voilà, on se tire un peu la tête. Voilà. Il manque des trous au milieu des routes. Ah ouais, c'est vrai que des petits nids de poules, ça pourrait refléter un peu plus. Ouais. À combien? 62%. Qu'est-ce qu'on a à côté? On n'a pas trop d'animaux, non. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. On va continuer tranquillement. On n'est pas là pour se prendre la tête, hein, en tout cas. Hop. Des petits ratés, là, comme ça, à droite à gauche. Hop.
128 vues sur la vidéo de la tro. Il me semblait en avoir vu beaucoup plus, moi, fac. Il me semblait qu'on avait atteint les 200 et quelques. Hein. Alors braco comme animaux, bah, tu vas voir, ça va être vite fait, je vais te montrer. Hop là, nous avons les vaches, les moutons, les poules, les veaux, les cochons, les agneaux et les poulets à engraisser. Donc au pire, je vais finir le champ, puis on va se faire un petit tour de map hein, en découverte, en mode découverte. Donc ça peut être sympa. Allez, hop. Attention, là il nous reste 3 andins, 3 pauvres andins à faire. Je sais même pas si on va réussir à tout faire, mais bon. Bon, si ça devrait aller, je pense. Ouais, ça va aller. Allez, hop. C'est quoi ça le Peterbilt? Je connais, c'est les. C'est les gros camions américains là, les Peterbilt. Ah d'accord, fac. Il me semblait en avoir vu beaucoup plus que ça. Ou alors c'est sur une autre vidéo, je sais plus. De toute façon, bah, maintenant l'intro sera sur toutes les vidéos, hein, donc voilà. Hein. Allez, le dernier andin, c'est bon, on va pouvoir tout récupérer. On va aller vider ça chez nos amis les vaches. Hop, et voilà. Allez, on éteint, on relève. La sortie, ça doit être par là-bas. Normalement, ça va glisser un peu, hein, parce que quand elle est pleine, ça glisse un peu plus. C'est bizarre, mais bon. Allez, on découvre un peu la map en même temps. Hein. Tranquillou. Donc là, j'avais fait un champ, je ne sais plus de quoi, de pavot, je crois que c'était. Hop. Allez, je crois, voilà, la ferme est là. Donc c'est pareil, j'ai parlé avec le créateur de la map, hein, Budmoding, alias, enfin, Nasco, hein. Qui fait partie de Budmoding. Il viendra avec nous hein, sur un live ou une vidéo, soit en solo avec lui ou soit avec la team. Donc j'ai parlé avec lui, il viendra avec nous sur une vidéo pour bah, sur sa map hein, tout simplement. Donc il nous fera l'honneur de venir. Donc voilà, ça c'est cool de sa part, c'est gentil. Allez. Alors en culture, je vais te montrer ça en même temps. Hop, voilà, en culture, bah, t'as eu culture de base, hein, t'as eu tournesol, de l'avoine, du seigle, de l'épeautre, du pavot et du chanvre aussi. Là, le chanvre était pas marqué, mais tu as du chanvre aussi. Donc ça, j'ai pas encore fait. Ça va être pouvoir être intéressant. Est-ce qu'on peut pailler de là ou est-ce qu'il faut entrer de l'autre côté? Ouais, on peut pailler de là, c'est bon. Allez, normalement tout va y aller, je pense. Ouais, j'ai pris 100 animaux de une centaine d'animaux de chaque, comme ça on n'est pas embêté. Voilà, tout y est. Hop. Se faire un petit demi-tour tranquillement dans le champ. Oui, c'est cool de voir des nouvelles cultures et comme je disais, le chanvre, j'ai pas encore fait et je sais pas même pas comment on fait pour le récolter en fait. Je crois à une moissonneuse normale, ça ne marche, ça fonctionne pas, c'est sûr pour le chanvre. Donc, est-ce que il faut une ensileuse? Est-ce que ça se fauche avec une
comme pour l'herbe par exemple. Je pense plus à ça, mais bon, on verra. On verra ça. Ou alors est-ce que j'ai pas les barres multifruits pour, ça se peut aussi, hein. Ça se peut très bien, donc on découvrira ça ben, pendant nos lives, hein, nos vidéos, tranquillement. Allez, hop, ça, on va caler ça ici, tranquillement. Oula, si je pars comme ça va pas le faire. Et par contre aussi, comme je voulais vous dire, hein, je me répète, mais bon, c'est le plus important. Je vous demanderai d'utiliser, quand vous téléchargez bah, des mods, hein, genre comme chez BudModding, d'utiliser leurs liens qu'ils vous filent, les liens officiels de téléchargement, car c'est quand même grâce à eux, bah, si Farming Simulator 2015, grâce à tous les modeurs, tous les mappeurs, si Farming se grandit à chaque fois, hein, donc merci d'utiliser leurs liens. Et de ne pas les voler. Donc voilà. Allez, on va se faire un petit tour de la map. Donc ben voilà, hein, tout simplement la ferme principale. La cabine qui bouge, bah non, c'est normal, c'est les suspensions, petit fac. C'est l'hydro, voilà. C'est l'hydraulique de la cabine. Donc on a deux silos en silage. Voilà, deux silos en silage. À la ferme, donc c'est les silos. Au lieu d'avoir des grosses barres de béton de chaque côté, c'est silo comme ça, c'est bien fait, c'est bien pensé. Un petit hangar de stockage pour la paille. Ici, pommes de terre et les betteraves. On va faire un petit tour vite fait, hein, vous inquiétez pas. Les poulets, enfin les poules. Les poules, les vaches ici. Donc les vaches, bon ça c'est une déco, hein, le râtelier. Voilà, on met l'eau ici. Le lisier. La fumière qui est juste là, on a une entrée, un petit chemin par là. Hop. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc voilà, l'étable, petite étable, on les nourrit là, machin, blabla. Hop. Le mix feeder, non, enfin ouais, la mix station, c'est la mélangeuse. Le blé, l'orge, le colza, le maïs, normal, on récupère ici, hein, sous la goulotte. Et pour le multifruit, tout ce qui est pavot, épeautre, chanvre, blablabla, hop, c'est juste derrière, c'est marqué multifruit, hein, tout simplement. Donc voilà. Après, hop, on revient ici, on a le fuel, enfin, fuel diesel. Là, on a le fertilisant et tout ce qui est graines. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Là, on a du stockage d'herbes, de paille, d'ensilage fermenté, de mélange et d'ensilage non fermenté. Donc voilà ce qui est pour la ferme. Donc on a les vaches là et les moutons juste à côté. Donc les moutons c'est pareil, hein. Pour les nourrir on met de l'eau tout simplement. Voilà. Ferme simple. Simple mais complète. Voilà. C'est juste un petit truc que je dirais à Nasco, hein, à BudModding. Il manque le karcher. Qui nous trouve une petite place pour une station de karcher dans la ferme. Ça pourrait être pas mal, mais c'est juste la seule critique que je lui ferai. Hein. Après ici, ben, on a le lait, on peut faire du lait UHT. Hein. Donc voilà, hop, vous mettez votre lait là. Et ça sort du lait UHT. Voilà, après vous allez le vendre tout simplement. Ensuite, on va se faire un petit tour. Donc voici la map. D'accord, merci Fac. Donc voici la map, hein, tout simplement, qui est très complète. Elle n'a pas besoin d'être plus grande, hein, pour moi. On a une grande forêt tout en haut à droite, hein, comme vous pouvez le voir. On peut faire des planches. Les planches, on va les vendre pour la construction d'une maison, si je me souviens bien. On peut vendre aussi le bois en bois de chauffage chez les habitants. On peut faire aussi du paysagisme. La ville qu'il y a sous la forêt. On peut. Bah après, il faut avoir les modes, hein, pour faire du paysagisme, comme les tondeuses, les débroussailleuses, etc., etc. Je vais même vous faire voir un petit mode que j'ai. Hop là, voilà. Les petites tondeuses, là, comme ça, les Hexmark. Les petites tondeuses, donc vous pouvez aller chez les gens dans les maisons pour tondre leur pelouse. Et il y a des petits coins dans quelques maisons, hein, où vous pouvez aller vider l'herbe, tout simplement. Et donc bah, on voit bien les poules, les cochons, les agneaux et qu'est-ce que j'ai oublié? Les veaux, voilà. Voilà, salut routier Langlois, ça va? Bah moi ça va impeccable, 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 on se retrouve sur le Grand Jura. Et
En même temps, le temps que j'y pense, on a ouvert notre forum, hein, les amis. Notre forum est ouvert. Regardez juste dans la description en dessous, il y a le lien. Donc vous pouvez aller vous inscrire, une présentation, ça fait pas de mal. Et on essaiera de tenir ça à jour tous les jours sur les nouveaux modes, les nouvelles sorties, l'actualité de la FFA Official Team. Et derrière, vous pouvez mettre donc tout ce qui est vos modes préférés, par exemple, partager des modes. Hein. Et actuellement, il y a le concours photo, le concours de screen. Donc vous pouvez mettre toutes vos photos et screens sur le forum dans la partie. Dans la partie concours, et les gagnants seront sélectionnés, enfin les sélectionnés seront invités à faire une vidéo et ou un live avec nous. Donc voilà, ça peut être sympa, donc avec vous les amis, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Donc allez, on continue vite fait, donc voilà, des petits champs, c'est pas des champs carrés, ça c'est sympa, car on en a marre hein, des champs carrés. Là-bas, on a Michel qui est toujours en train de semer. Hop. Ça va, je dois aller. Merci pour les infos. Hop, ok, ça marche. Braco, à la prochaine. Donc voilà le magasin. Le magasin standard, hein, on va dire. Après, on peut aller vers le nord. Hop, une petite découverte hein, de la map en speed. Là, on a le biogaz. Hop là, le BGA. Donc vous avez 4. Donc là on voit, hein, j'ai déjà commencé à faire de l'ensilage. On a 4 grands silos. On a ici pour la vente. Donc au moins on n'a pas besoin de chargeuse. On peut vider directement à la remorque. Ici on a le TA. Le TA, donc avec des rangements un peu partout. Hein. Des rangements, les graines, etc. etc. Pareil, on n'a pas de karcher. Nosco, si tu nous regardes après, voilà, on peut mettre le calque ici. Ensuite, on va aller, hop, on va aller s'enfoncer par là. On va aller vite fait voir là. Donc là, on voit, on a les poules, hein, enfin les poulets engraissés ici. Tout simple, mais efficace, pas besoin de plus. Voilà. Là, on a la jardinerie avec on peut acheter du lisier, on peut acheter le calque, le fumier et le compost. Là, comme je vous disais, on peut faire le paysagisme hein, chez les gens. Donc on va essayer de se trouver je sais plus où c'était. Je ne sais plus, ça faut regarder. Pop, 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 ça doit être par là, je pense. Non, c'est pas là. Alors attendez, là, donc là on peut vendre le lait UHT hein, à la laitière. Hop, donc ça c'est dans la ville, hein, là où il y a toutes les maisons. On peut vendre le bois de chauffage, ici, voilà. Hop, voilà, vente bois de chauffage. Donc votre bois, vous l'amenez là-dedans et ça le vend, tout simplement. Vos planches, vos palettes de planches, vous les amenez ici pour la construction de la maison. Enfin du toit de la maison plutôt. Et ah voilà. Donc là par exemple, là vous avez une maison avec la piscine là. Vous faites la tonte tranquillement et l'herbe, vous la mettez hop ici là dans le tas. Et je pense que ça vous fait de l'argent en plus. Hein. Donc voilà, t'as quoi comme véhicule? Je te ferai voir après mon petit routier langlois. Car là on se fait d'abord un petit tour, hein, car on me l'a demandé. Là on a un petit terrain de foot, hein, c'est pareil, on peut le tondre tranquillement. On peut le tondre. Là on arrive. Hop, ça je crois que c'est le TF si je me trompe pas. Voilà, l'ETF, entreprise de travaux forestiers, étant donné que la forêt est juste à côté. Là, vous pouvez ranger tout ce qui est toutes vos grumes, ici. Voilà. Là, vous avez le stockage de copeaux. Tout simple, tout simple, tout simple, mais très bien. Ensuite, après, vous n'avez pas besoin de voir tout, hein. Vous avez le biomasse, la chaufferie biomasse tout au sud-est. Voilà, et puis après vous avez des petits points de vente à droite, à gauche. On verra tout ça par la suite. Tout simplement. Donc allez, on va pouvoir continuer nos aventures. Qu'est-ce qu'on a déjà? Je ne sais plus, je ne sais plus. Hop. Tac, on va même pouvoir se faire un peu de moisson, tiens, car... un peu de moisson. Hop. La classe sélection 780. À chenille.
Allez, on va atteler la barre de coupe. Ah, des coups de lag. Ah bon? Pourtant, apparemment, ma connexion ne bouge pas. Non, 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 ça ne bouge pas apparemment. Donc, on va se faire le champ derrière. Hop là. Allez, on va déjà emmener ça. Champ tout à droite. Juste trouver l'entrée. L'entrée du champ qui doit être par là, oui, je le vois. Mais bon. Pas grande place pour ranger les barres de coupe. Comment on va faire? On va peut-être les laisser à l'extérieur, je pense. Ouais, ça va nous gêner plus qu'autre chose en fait. On va se la mettre. On va essayer de faire ça. Bon, le champ est pas semé, c'est pas grave. Hop. Tout simplement, tout bêtement. Salut Christophe, comment vas-tu depuis le temps? Allez. On va aller chercher une remorque. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va se mettre un petit course play en attendant d'aller chercher tout ça. Donc on va commencer du nord du sud-ouest. En allant vers l'est tranquillement, tout simplement. Charger, on va le faire commencer du premier point. Bim. Et voilà, il est parti. Ça va très bien, Christophe. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur le Grand Jura, la nouvelle map de chez Bud Modding. Allez, on va se prendre une benne. Hop là. Dites-moi hein, si la qualité est toujours bonne ou pas. Hop là, donc comme je disais Christophe, pour toi qui viens d'arriver, le forum est ouvert, notre forum vient d'ouvrir ses portes. Donc je vous invite, hein, dans la description, il y a le lien. Plus il y aura de monde sur le forum et plus on s'amusera, hein, plus vous serez tenu au courant de toutes les dernières activités. Allez, on va emmener la benne donc au champ. J'ai même pas fait gaffe, c'était quoi dans le champ en fait, je ne sais plus. Ça doit être du pavot ou de l'épeautre, je sais plus ce que c'est, ou du blé tout simplement, je sais plus. Allez. On va emmener ça, après on va aller s'occuper de Michel qui est en train de semer avec son Ursus 1604. Apparemment il a des petits problèmes, comme d'habitude. Toujours bien la qualité, d'accord, ok, il n'y a pas de lag, j'espère. Allez, hop. On va essayer de pas trop accrocher la barrière. Passe bien. Notre ami, ouais, c'est bon. Il est là. Et en plus, je me suis trompé de Ben. Oh là là. Je me suis trompé de Ben. Bon. Apparemment, là, ce qu'on va faire, c'est ça. Activer la coupe en l'air, ce qu'on a besoin. Hop là, voilà. Oula. Point le plus proche, merci. Pas activé. Il n'est pas activé. Bon. D'accord. Ah, voilà. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Un peu de lag. D'accord. Bah, il faudrait que je voie un peu la connexion. Alors, vraiment sur le logiciel. Hop là. Parce que j'ai fait des petits changements en fait. Tu es trop fort. Pourquoi je suis trop fort, Christophe? J'ai rien fait. Parce qu'il y a eu un fail, c'est pour ça? Ou alors c'est mon son, je sais pas. Allez, hop.
va aller se chercher, donc on va retourner à la ferme, hein, on va aller rechercher du la vraie benne. Au pire, si ça va pas, j'ai juste à me déconnecter vite fait, hein, ça prend 30 secondes. Et de re-régler après un peu la bitrate, et comme ça au moins il n'y aura pas de lag, hein, si vraiment. Donc il n'y a pas de problème. Ouais, pas la bonne remarque, c'est ça. Ouais, bah, au pire, de toute façon, bah, tu vois, je suis bête parce que la remorque, j'aurais pu la laisser là-bas pour ramasser la paille. Mais bon, j'aime bien faire des allers-retours en fait. Allez, celle-là, on va se la caler là. Il y a de la place. Et ok, fac, pas de problème. Bon, bah, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'au pire, je vais me déconnecter vite fait et je vais remettre la qualité. Je vais changer la qualité, hein, tout simplement. Hop là. Voilà, ça c'est la bonne benne. Hop là. Ouais. Eh oui. Allez, j'amène la benne au champ, les amis, et on se retrouve. On va se retrouver d'ici. D'ici 2, 3, 4 minutes, faut appeler Eric, ouais. Notre ami Eric le Belge. Et on va se retrouver d'ici 2, 3, 4 minutes, hein, le temps que je change. Oula. Que je change la qualité. Hop là. Voilà. Ça, on va se mettre ça par là. En attendant. Allez, vite fait s'occuper de Michel. Comme il a mis Michel qui aime bien les arbres. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oula, il est dans quel champ? Ah oui, d'accord. Pas dans le bon champ en plus. Normalement, il doit reprendre. Je sais pas où. Oula, il nous en a laissé un peu à droite à gauche, hein. Très bien ce petit Ursus. Juste rattraper ses bêtises. Hop là, voilà. Hop là, on peut voir les portes, le toit aussi qui s'ouvre, pas mal. Hop, j'aime bien ces petits modes là. Ça me fait penser au mode de. Enfin, à l'agriculture de l'Est de l'Europe. Tout ouvrir, c'est sympa. Juste, allez, on va juste finir ça tranquillement là. Après, je vais aller faire mes petits changements. Donc, j'ai mis le mode hein, réel terrain. Hein. Donc là, on le voit, là, il s'enfonce des fois dans. Hop, voilà, comme là on voit là. Là il s'enfonce des fois. C'est vraiment un bon petit mode, hein, plus réaliste. OEB Real Terrain, ça s'appelle. Allez, juste aller récupérer les conneries là-bas. Notre ami Eric a beaucoup de boulot, c'est pour ça qu'on le voit pas trop en ce moment. Il en chie un peu là. Voilà. Et après, ce sera pas trop mal. Alors hop, on récupère ici. Et après c'est bon. Allez, on va remballer ça. On va éteindre, on va se le ramener là à l'entrée du champ là. Ça
Ça a même déjà poussé à un endroit, on sait pas pourquoi. On va se ramener ça là. Et les amis, je vous dis à dans 3-4 minutes, le temps que je change les paramètres, pour avoir une meilleure qualité, pas de lag. Allez, à tout de suite, bise. Allez les amis, on se retrouve pour la suite de notre live après quelques modifications. Donc j'espère que tout va aller mieux. Allez hop. Donc comme on disait, on va repartir, on va ramener l'Ursus à la ferme. La ferme, donc n'hésitez pas à me dire hein, toujours sur le chat si tout va bien. Salut Mehdi. Ah, Braco est de retour, d'accord. Re-salut Braco. Allez, hop. Donc dites-moi hein, sur le chat si c'est mieux ou pas. Pas de problème, fac. Ça, on va se caler ça par là. Voilà, à peu près, hein. Allez. Oula. Ah, petit problème, apparemment. Ah, les amis, on a un petit problème, apparemment. Je ne peux plus bouger. Non, 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 je ne peux plus rien faire. Ah. Un bug. Il y a un bug quelque part. Je ne peux plus bouger. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien écoutez, on revient. Allez les amis, on se retrouve pour la suite du live, hein, tout simplement, car mon jeu a planté. Donc maintenant, je suis en compagnie de Fak sur TS. Salut Fak. Salut. Fak, notre modérateur. Hein. Nouveau modérateur. Ouais. Donc malheureusement, mais ma partie a pas dû être enregistrée. Et non, et ouais, voilà. J'ai juste... Arrête de s'entendre en deux fois.